chante pour toi. Je chante pour toi, je chante pour toi. Sachez que c'est depuis 3 jours aujourd'hui que nous sommes en train de parler des 40 sources de conflits dans le foyer. Papa, maman, vous qui venez à peine de nous capter, en tout cas, ne sortez pas. À la radio comme à la télévision, vous allez nous suivre. Et ce n'est pas moi qui suis en face de vous, qui suis en train de développer ce thème, ce n'est pas moi, mais sur ce plateau, je ne suis pas seule. Le révérend pasteur Récit Mboué Mandak, visionnaire du ministère Génération Joël. Bonjour, pasteur. Bonjour. Est-ce que tu as un mot à dire à tous ceux-là qui nous ont pas encore suivis et que pour eux, je me suis peut-être la première fois de nous suivre? Voilà, pour ceux dont c'est la première fois de nous suivre, nous tenons quand même à vous dire quelque chose, c'est que nous vous aimons. Nous vous aimons et nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous donner la matière qu'il vous faut parce qu'il y a ce besoin. Tu sais, il y a ce qu'on appelle, il y a deux types de besoins. Il y a des besoins qui s'expriment et des besoins latents. En fait, nous sommes venus juste avec un besoin qui avait, mais que nous ne savions pas détecter nous-mêmes. Mais le Seigneur permet qu'aujourd'hui, on puisse parler de ça. C'est les 40 sources de tension dans le mariage ou 40 sources de conflit dans le mariage. Et je ne sais pas si j'ai terminé à répondre à ta question. Oui, aujourd'hui, vous avez fini, parce que c'est juste une introduction, parce que le temps de permettre à ceux qui nous suivent hein, de prendre peut-être note, parce qu'ils sont en train de chercher leur petit carnet, là, ils ont commencé à écrire, hein, c'était juste ce temps-là. Mais sinon, aussi, un dernier mot que vous allez dire à ceux qui nous regardent là, ou ceux qui nous suivent à la radio, que j'aurais appris qu'il y a des couples, des fois, c'est l'homme qui fuit. Quand l'émission commence, la femme dit, papa, il y a une émission, il reverra, il y a un banal. L'homme dit, non, la zone est occupée, ils ne veulent pas suivre ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un mot à l'air Je me rappelle quand je travaillais sur ce thème à Lubumbashi, une fois, où, comment j'ai appris cette nouvelle, c'est une femme, quand je suis allé payer les frais, je devais payer, je crois, une taxe. Et la femme a vu le nom, j'ai envoyé quelqu'un, elle a vu le nom, il dit non, je vais payer pour ce pasteur. Il dit pourquoi? Il dit non, un jour, moi et mon mari, nous étions en train de suivre son émission, chacun était de son côté. Mais quand il a terminé l'émission, nous nous sommes demandé pardon et il a harmonisé. Il dit, cet homme a sauvé mon foyer. Voilà. Alors c'est pour cela que je voudrais que quand vous suivez, vous êtes au travail, demandez à votre femme d'ouvrir la télé ou à la radio, vous êtes... peut-être vous êtes au boulot, vous pouvez suivre, vous êtes au restaurant et même au bar, ouvrez au lieu de regarder le match, Messi est en train de chercher son argent, moi je suis en train de réparer ton couple, c'est toujours très important de suivre une émission comme celle-ci. Alors je disais que comme nous avons dit la fois passée, je crois que nous répéterons toujours régulièrement à nos bien-aimés pour leur dire que la Bible déclare, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pourquoi moi j'ai une femme mais je n'ai pas le bonheur? Pasteur, gardez votre souffle, parce que tout ça vous allez le dire. Hein? Vous allez dire, mais on n'a pas changé de procédure. Sachez que nous commençons toujours par répondre les questions qui sont restées en suspens. Bah, chaque jour, nous avons des numéros que nous allons vous communiquer. Il y a des numéros d'appel et les numéros de messages que vous aurez l'occasion de les suivre. Pour ceux qui ont posé leurs questions et qui sont restés sans réponse hier, nous allons commencer par là. Vous savez pourquoi on le fait? Parce que le révérend, quand il est arrivé, le révérend Récit dit, dans cette émission, l'objectif, ce n'est pas seulement de vous parler, mais de vous aider aussi. Vous aider, s'approcher de vous, c'est quand il répond à vos préoccupations. Pas seulement à mes questions comme journaliste, mais quand il répond à vos préoccupations, c'est alors qu'il vous atteint et c'est alors qu'il remplit sa mission. Voilà pourquoi nous commençons déjà, pasteur. Nous pouvons commencer avec les questions restantes. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a quelqu'un qui dit le sujet est très important, c'est une suggestion, mais vous pensez atteindre toutes les couches. Pourquoi ne pas mélanger les langues? C'est Agneau qui dit ça. Il voulait qu'on mélange les langues. Par moment, on le fait aussi. Oui, par moment, on va le faire. Je crois que je vais vous permettre, pour ceux qui vont poser des questions en direct ou ceux qui vont écrire des SMS, c'est pour cela que j'ai préféré Tété, parce que le Swahili d'ici
Et les Lingala d'ici me compliquent un peu parce que les aider. De temps en temps, hein, quelqu'un dit non, tout ça taille. Bon, on a évité ce que ça soit, ce que ça Lingala. Moutouana Zamukalamouche. Bon, c'est pour ça que j'ai préféré que tu étais comme ça. Vous vous arrangez pour lire les messages d'ici. Oui. Mais pour le français, je crois que si vous voulez avoir la matière bien, laissez-moi parler en français parce que je m'en sors très facilement. Et puis, je tiens à vous dire que cette émission n'est pas pour les gens de Kisangani seulement. Elle sera enregistrée, on va envoyer à Bounia, on va envoyer partout. Et ceux qui sont sur le net, je crois que déjà demain, il y a des gens qui feront leurs questions sur le net et on va vous répondre tout ça, ces questions d'être sur le net et on verra. Et ceux qui vont suivre YouTube, il y a de nos frères qui sont à l'Occident, qui sont en Europe ou en Amérique, ils vont suivre les mêmes émissions. Alors, vous voyez, il y a quatre langues nationales. Oui, c'est ça. Non, le français, c'est un peu le juste milieu. Hein. C'est pas dire que ce que le baralingala, le royambayote, même yom de le baralingala, poser question dans la lingala, le pasteur est là à répondre. Si c'est en swahili, poser question dans la swahili, va répondre toujours. Donc, mais c'est plutôt français parce que c'est un peu plus facile et ils ont atteindre Moutounios facilement. Mais il y a des gens qui ne comprennent rien de lingala ou rien de swahili. Mais batonamios, français, bayo kawanda. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre apport, Agno. Il y a aussi une autre question. Bonjour, pasteur. Quel est l'avantage de se marier à une fille vierge? La virginité, on n'en a pas parlé, mais c'est une question. Aujourd'hui, je crois qu'on va parler parce qu'on va parler du CV. Mais c'est très important. Je ne sais pas s'il faut que je réponde là où j'en parlerai. Il peut attendre, comme c'est prévu. Voilà. Hein, donc, comme c'est prévu dans le programme d'aujourd'hui, donc parmi les sources de tension, on va parler de ça aussi. Et ici, on dit, j'ai ma fiancée et ma famille. Nos parents sont tous morts et je suis restée le responsable de ma famille. Mais ma fiancée m'exige de ne pas m'occuper de ma famille qui est orpheline. Puis-je continuer avec elle? Nous sommes encore fiancés, pas mariés. Ouais. Je crois qu'on ne peut pas se prévaloir tous ses droits quand on est fiancé. Nous ne sommes que dans une campagne électorale. On est régi par aucune loi, même pas par la Constitution. Donc, c'est-à-dire que quand vous commencez déjà à indexer la belle famille ou à indexer les frères de votre fiancé, c'est déjà un mauvais signe pour un fiancé. Je crois qu'on est dans les fiançailles pour s'observer, on n'est pas dans les fiançailles pour vivre le mariage. C'est pour cela que c'est trop audacieux pour une femme d'aller plus loin. Commencer à demander à... Vous savez que ce sont des orphelins, même la Bible nous demande de prendre soin des orphelins. Mais quand je parle des orphelins, attention, 40 ans, vous n'êtes pas orphelin, vous êtes responsable. Hein? Quand je parle des orphelins, donc il ne faut pas faire un orphelinat avec des gens de 30 ans, 40 ans, non. Mais c'est pas bon signe. Ça sent pas bon. Pasteur, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas d'accord quand vous parlez ainsi. Vous êtes libre. Parce que vous avez dit ici, sur ce plateau, que le fiancé, c'est le moment où on est en train de s'observer. Ouais. On s'observe en tout, on prend le temps. Bien sûr qu'on n'est pas pour de fiancé trop élastique, mais on prend son temps. Pasteur, en étant fiancé, parce que tu veux aider ta famille, la fiancée refuse. Ah bon, parce que le binôme, il faut quand même, hôtel à rappeler ma camionnabiso, tu dois préparatif, parce que vous savez, avec le fiancé, ma programme, ils allaient rébeller, il y a la dot qui attend, il y a beaucoup de projets. Et tout de suite, parce qu'il faut supporter la famille des orphelins, tu dis non, voilà, ma famille n'a équipée. Mais demain, quand on sera marié, vous allez arrêter? Vous allez continuer, mais comment voulez-vous qu'en état fiancé, n'aime pas qu'on recadre à moté? Et maintenant, quand je serai chez toi, tu penses que tu vas automatiquement arrêter et quel sera le sort de ces orphelins-là? Non, il faut arriver à comprendre. C'est comme quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux seront une seule chair. C'est-à-dire que quand je dois partir chez moi, même quand je veux me marier, il y a des choses que je dois recadrer en moi. J'ai toujours été très attaché à ma mère. Il faut que je parle avec ma mère pour dire, bon, d'ici peu, c'est que les choses comme ça... Non, la prise en charge, c'est pas seulement non, parler avec la mère. Je donne un exemple. Oui, oui. Je donne un exemple. Oui. Chaque fois que je touche mon argent, je le remets à mon salaire, je remets à ma mère pour qu'elle essaie de m'organiser parce que moi, je suis dépensier. Mais je dois commencer à préparer ma mère petit à petit pour lui dire, désormais, ce n'est pas toi qui auras le salaire, je vais commencer à donner à une autre personne. Une mère normale doit savoir aussi se préparer parce que tu as ton mari, ou si tu es veuve, donc tu as eu le temps de faire ta vie, tu devais préparer ta retraite, au lieu d'envenimer, d'empoisonner le nouveau foyer qui est en train de venir. C'est très important. Même avec les orphelins,
quand vous avez votre famille, vos parents sont déjà morts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font attendre même leur mariage, ne fût-ce que pour réussir à responsabiliser leur famille. C'est-à-dire que, je dis, cette année, je prends du temps pour former mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, de manière à se prendre en charge pour que quand je vais entrer dans le mariage, ce poids risque d'écraser mon foyer. C'est très important. Mais yo, yé, boyé, moi, je suis la fiancée. Pendant la campagne électorale, tu commences à proposer déjà des articles à amender et ça risque de te coûter très cher. Pasteur, parce que ça va nous suivre. C'est vrai, nous souvenons quels sont. Non, ça se prépare. On se dit que ce sont des orphelins. Je vous dis un exemple concret, ça peut être des orphelins de moins de 5 ans. Ouais. Il y en a peut-être 3 que je dois prendre en charge parce que ce sont des enfants de ma soeur. C'est ça. Et que ma soeur est décédée, je prends ces enfants. Non, les enfants de ma soeur, ce n'est pas. Non, les enfants. Ce n'est pas je dois. Non, mais en fait, ou sorte de mon frère. Parce que le frère, c'est là, on dit non, c'est la famille. Même de ton frère. Non, ces orphelins. On a dit le papa et la maman sont décédés. Ce sont les petits frères du garçon qui se marie. Leurs pères sont déjà morts. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, c'est lui qui est responsable. Oui. Il veut. Et ces enfants-là qui n'ont même pas 5 ans. Mais au fait, ils sont orphelins. Ce que nous disons, c'est que nous donnons les lignes maîtresses. Mais nous ne donnons pas de la science exacte. Vous comprenez? C'est comme ce qu'on peut dire, la table de multiplication. On nous apprend que 5 multiplié par 7 égale 35. Dans 8 ce cas-là, par... je comprends qu'à chaque règle, il y a d'exception. Oui, il y a d'exception. Voilà. Et c'est pour cela que. On va voir les catégories. Dieu nous a donné un cerveau. Vous comprenez? C'est pour réfléchir. Je voudrais, pendant ce temps que nous serons en train d'animer cette émission, que les gens comprennent que Dieu nous a maintenu le cerveau. Nous allons recadrer certains débats de manière à ce que chacun y trouve son compte. Parmi les sources de tension, vous allez voir qu'il y a certaines sources de tension que je n'ai pas, que je ne vais pas mettre là. Pourquoi? Parce que ce livre n'est pas pour les Boyomés, c'est un livre pour le monde entier. J'ai circulé beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures et beaucoup de pays dans le monde, juste pour travailler ça. C'est comme quelqu'un qui dit non, ma femme a des problèmes parce que souvent la régie des eaux, il y a coupure d'eau, alors quand je lui demande d'épuiser de l'eau pour moi à 2h du matin, elle n'épuise pas. Est-ce que je vais écrire ça dans le livre? Ça ne va rien donner en France, ça ne va rien donner en Afrique du Sud. Tout ça, il n'y a pas de coupure ailleurs. C'est ici, chez nous, qu'il y a la coupure. Donc c'est un cadre bien isolé qui peut être travaillé dans le général. Là, donc, je crois qu'il a compris. Hein? Donc, ouais. Il y a des exceptions. Et donc, la fiancée, il ne faut pas trop exagérer. Il y a des choses qu'on peut étudier ensemble. C'est pour ça que j'ai dit actif et passif. actif et passif. Quand tu m'acceptes là, il y a aussi le passif. C'est que je suis responsable de mes petits frères. C'est un passif peut-être pour toi. Mais si tu ne veux pas, bon. Parce qu'on dit ici, il y a une femme mariée avec deux enfants, mais qui fait l'impudicité. En désordre, pasteur, on a qu'une doquité. Bon, je ne suis pas un sorcérologue, mais s'il a dit que c'est la sorcellerie, c'est pour dire que ça trouble. Comment tu as des enfants à la maison, tu te prostitues, tout ça, ça ne regarde, ce n'est même pas dans le problème du mariage, tout ça, ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que c'est un vice. C'est un vice dans le mariage et nous n'allons pas tolérer ça parce que nous allons en parler sur une autre source de tension, c'est l'infidélité sur laquelle nous allons travailler. L'infidélité, il n'y a pas que chez la femme, hein, il y a aussi chez l'homme et nous allons travailler là-dessus. Oui. Pasteur, il y a aussi une autre question ici. Il dit, Madame Tété, j'ai une fiancée qui par jalousie, donc le monsieur a une fiancée qui par jalousie, elle frappe toutes les filles avec qui elle me croise. Et quand elle rentre à la maison, elle vient chez moi, c'est pour renverser les meubles de la maison. Quel conseil le pasteur peut me donner? Mais chez nous en Swahili, on dit quand maï chingari que chini, je sais que t'as bouquin. Ça, tu as affaire à un maï. Tu as affaire, c'est de la rébellion, ça. Comment? Je crois que dans les fiançailles. La jalousie, n'est-ce pas, c'est une preuve d'amour. Parce qu'on dit quand on est jaloux, ça prouve qu'on aime. Même avec les meubles, on casse tout. Ça, c'est de la barbarie. Si d'abord, dans les fiançailles, nous sommes censés avoir les fiançailles comme étant une campagne électorale. Donc, toi, dans les fiançailles, là, tu montres déjà. Non, c'est une colère, une façon. Ça me montre déjà comment il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que je dis seulement au bien-aimé que dans les fiançailles, quand vous voyez de tels éléments que vous avez affaire à la barbarie, il est temps de vous retirer parce que les fiançailles ne sont sanctionnées par aucune loi. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, j'ai lu une question, je ne sais pas si Raoul t'a mis cette question-là.
ça m'a fait quand même beaucoup de bien dans la compréhension. Je me suis rendu compte que les gens sont bloqués complètement. L'homme, il pose la question de savoir est-ce qu'on peut arrêter les fiançailles. Parce que normalement, Joseph était fiancé à Marie. L'ange lui a interdit d'arrêter les fiançailles. On a posé ça hier aussi. Ah, on a posé. Je crois. J'ai dit, mais ne prenez pas les choses comme ça. La fiançaille de Marie et de Joseph, là, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas une doctrine qu'il ne faut pas arrêter avec les fiançailles. Non, les fiançailles, là, quand tu. C'est l'endroit où. C'est un temps où. Il est permis, il t'est permis d'observer et de te rendre compte que d'ici peu, je vais partager toute ma vie avec cette fille, avec cet homme. Mais il est temps d'arrêter. C'est comme tu es dans les fiançailles. Ton fiancé te frappe régulièrement. Ça, c'est en dehors du mariage. Mais dans le mariage, non, vous serez affilié à l'association de catch du Congo. Hein? Donc, ça sera compliqué. Ça, c'est une autre préoccupation. La question, c'est... La personne dit, voudriez-vous différencier les mariages dans le monde urbain et dans le monde rural selon leurs ressources spécifiques? Hier, on a parlé que nous reconnaissons les trois mariages. Mariage coutumier, mariage civil et mariage religieux. Ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez. Les gens qui se marient en Ituri, là, tout ça, il y en a qui ne vont pas à l'état civil. Mais quand vous vous mariez, même si vous avez donné seulement... une bouteille d'huile et qu'il y a eu consentement entre vous deux. Vous êtes mariés. Il ne faut pas dire... Il y a des gens qui sont malins. Ils disent, non, papa, tu sais, on s'était mariés quand on était encore à Ariwara et quand on est venu ici, je me suis rendu compte qu'on avait déjà 5 enfants que non, ça, ce n'était pas un mariage. Alors, j'ai trouvé une belle fille, une fille jolie. Alors, nous allons régulariser au tribunal. Ça, c'est le... Ça, c'est... Ce n'est pas bien. C'est la malhonnêteté. La manière dont je comprends sa question, est-ce que c'est pas par... Il veut savoir les différentes difficultés qu'ils peuvent avoir dans le couple, dans un milieu urbain, dans le milieu rural, parce que apparemment ce ne sont pas les mêmes difficultés. Non, c'est... J'ai essayé de trier, c'est pratiquement les mêmes difficultés, et nous allons essayer d'aider. Vous savez... Ça dépend du niveau, mais les problèmes restent de ouais. même. Ça dépend des niveaux. Celui qui touche 100 dollars, il a des problèmes financiers avec sa femme. Celui qui touche 1 million a des problèmes financiers avec son mari. C'est-à-dire qu'au village, peut-être la case est à mon nom. Mais ici, c'est la parcelle qui est à Lubumba qui est à mon nom. Mais c'est le même problème. Et même les villageoises, ne vous en faites pas, sont jalouses aussi. Il ne faut pas penser que parce que vous êtes au village, là, vous ne pouvez pas être jaloux. Non, vous êtes jaloux même au village. Pasteur, il y a aussi une question. Bon, là, c'est la personne nous avait pris en cours et il voulait savoir quel sujet on était en train de débattre. Certainement, s'il avait suivi hier jusqu'à la fin, il a déjà compris le sujet. C'est les 40 sources de tension, dont le mariage. Il y a une autre question. Il y a des hommes savants qui n'acceptent pas les reproches. Les hommes savants qui n'acceptent pas les reproches de leurs femmes. Ils trouvent toujours des raisons pour tricher. Que faire, papa réussite? Je vais... séparer ta question en deux et ça va nous aider même plus tard quand on sera en train de régler le problème par le dialogue. Je vais essayer d'expliciter là-dessus. Vous savez, la différence entre l'homme et la femme, j'ai donné la différence entre l'homme et la femme hier, et même dans la résolution de conflits, vous allez voir comment on résout le problème. Les femmes parfois ne connaissent pas les hommes. Quand tu fais des reproches à ton mari, n'attends pas seulement qu'il dise « Oui, chérie, j'accepte, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire. » Non, dans l'essence même de l'homme, il ne réagit pas de cette manière. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous dites par exemple à votre mari « En tout cas, tu rentres trop tard. » Chaque jour, tu es toujours à 22h, tout ça. Le mari dit « Tu sais que je travaille, c'est pour vous. » Il donne même des arguments, c'est pour vous que je fais. Mais le lendemain, tu le vois à 20h, il est déjà à la maison. Il ne faut pas lui dire « N'est-ce pas, tu es rentré ?» Non. Il a compris ton conseil, il est en train d'observer. Mais ne cherchez pas à l'écraser, parce que les hommes, leur manière d'accepter une reproche, c'est la pratique. Même s'il te dit, non, tu comprends, toi, tu commences à exagérer, j'étais seulement avec un ami. Tu vas voir seulement, dans la réaction, le lendemain, après des jours, tu dis, non, l'homme ici a changé, sois calme. C'est pas évident. Hein. Non, je t'ai dit ils que... Ils vont changer de stratégie. C'est pour ça que je t'ai dit en deux. Deuxième problème, c'est que beaucoup de gens, s'ils se comportent mal, nous sommes dans une culture où nous ne voulons pas travailler. Je t'ai dit que les Noirs ont une culture qui n'est pas bonne. C'est, nous connaissons seulement la consommation. Mais on ne veut pas travailler. Si votre
fiancé ou votre mari n'a pas la connaissance de certaines choses, il faut mettre cette connaissance à sa disposition. C'est pour cela que nous venons, au lieu de commencer à dire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que nul ne sépare ce que Dieu a uni, si tu te sépares. Non, nous entrons maintenant dans la matière pour dire qu'est-ce qui pousse les gens à prendre des décisions comme ça. Parfois, ils ne sont pas informés. Vous comprenez? J'ai travaillé avec beaucoup de couples. Parfois, il y a des gens qui me disent, papa, je n'étais pas informé. Je ne savais pas que la femme réagissait comme ça. Parfois, quand la femme m'expliquait ses histoires, je me disais, mais tu me fais perdre le temps. Alors que ça faisait partie du comportement de la femme et ça faisait partie de l'essence elle-même de la femme. Et la femme se comporte comme ça. Elle peut manifester de l'amour en posant un acte. Mais toi, tu penses qu'elle manifeste de la jalousie alors qu'elle manifeste de l'affection. Oui, bon. Tu vois, il y a des hommes, je donne un exemple, je crois qu'on va le dire dans les littérature. Les hommes parfois pensent que quand la femme s'attache à lui, c'est toujours pour la chambre à coucher. Non. Parfois, la femme veut être avec son mari, pas pour la chambre à coucher. Hein? C'est bien. Ouais, elle veut pas la partager, elle veut qu'il soit à elle seule. C'est pourquoi non, elle veut engager une conversation. Pourquoi? Parce que la femme se dégage en engageant une conversation. Mais l'homme ne se dégage pas comme ça. Alors la femme se pose la question, pourquoi toi tu ne me parlais pas de tes problèmes? Moi je te parle de mes problèmes. Les problèmes des femmes sont résolus quand elles s'expriment. Mais les problèmes des hommes ne sont pas résolus en s'exprimant. Parfois l'homme, tu vas le voir, il n'a pas de problème avec toi. Il est dans sa caverne, dans la maison, il regarde comme ça. Toi tu dis, mais tu as un problème? Je n'ai pas de problème. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi? Parce que toi, en résolvant tes problèmes, tu le dis à ton mari. Mais lui ne va pas te le dire. Pourquoi? Parce que l'homme ne se mesure pas en partageant. L'homme se mesure dans la capacité à résoudre les problèmes. C'est quand il aura résolu son problème dans sa caverne, quand il est à côté, là, il trouve une solution. Tu vas le voir sortir de sa caverne et sourire. Mais quand tu commences à lui dire, chérie, tu dois m'aider. Comment tu veux rester avec toi? Toi, tu ne dis rien. Non, tu vas encore le maintenir dans cette position. Sois calme. D'ici peu, il va sortir de là où il est. Il trouvera une solution et vous allez sourire encore. Je me réserve de poser une question parce que certainement ça va revenir dans les sources de tension. Okay. Ça va revenir. Mais on va prendre celui-ci. Il dit si le pasteur peut nous donner l'âge auquel un homme ou un jeune garçon peut se marier pour éviter effectivement ces tensions. Hein, pour éviter les tensions. À quel âge à peu près vous pouvez conseiller un garçon de se marier? Mais vous savez déjà, à 18 ans, la société vous reconnaît mature. Je voudrais ne pas fixer un âge, mais je vous dis que le mariage n'est pas pour les enfants, le mariage c'est pour les matures. Vous pouvez être encore un enfant, vous pouvez être même un enfant à 30 ans. Vous êtes toujours mon papa, mon maman. Donc c'est-à-dire le mariage c'est pour les gens qui doivent se séparer de leurs parents, les gens qui doivent devenir responsables. Nous ne voulons pas donner le mariage aux gens qui sont toujours mon maman a téléphoné, mon papa a dit que mon maman, chez nous on met des dans les beignets. Non, c'est pour les gens matures, hein, les gens qui disent que maintenant je peux prendre une autre personne en charge ou maintenant là je peux servir de responsable dans le couple. De peur que demain, dans le foyer, que la femme commence à revenir chaque jour, à repartir chaque jour chez elle pour voilà. Le petit déjeuner. C'est pour ça qu'il y a des femmes là. Partir chez elle, parce que comme c'est, vous savez, ici, on a des gens bien fêtés, hein, comme c'est déjà en gestation, le 25, c'est d'ici peu, alors tout le monde va commencer à rentrer à la maison, que papa s'occupe encore d'elle et de ses enfants, bien qu'elle soit dans le mari. Mais je voudrais que ton père aussi rentre chez lui au village. Hein. Donc il faut être mieux. Il faut se poser la question. Vous avez dit pourquoi papa ne rentre pas au village? À l'introduction, le pasteur avait dit une chose, qu'il faut être mûr à l'esprit. Hein, d'abord, pour faire le choix, c'était ça. Et puis, savoir qu'on est capable... Et puis, comme vous entrez dans un contrat où il est écrit que nul donc ne sait pas ce que Dieu a uni, je crois qu'il faut prendre beaucoup de temps pour réfléchir, pour prier. C'est quand même un contrat un peu... Pour éviter de recourir chaque jour à la maison, chez les parents. Voilà, pasteur, la dernière préoccupation va de continuer à déballer nos sources de tension. Nous savons qu'hier, on en avait déjà parlé d'eux. Mais ici, c'est juste une petite question. Bon, c'est une préoccupation, question de savoir, ça sera quand, si vous pouvez fixer aux téléspectateurs, aux auditeurs, l'émission prévue la nuit pour qu'ils puissent les suivre en couple. C'est pas moi, malheureusement, la personne n'a pas écrit les noms, mais je sais que cette question, je l'ai eue aussi en dehors. En tout cas, il y a des gens qui m'ont dit, mais Tété, dites-nous, ça sera quand? Moi, je dis, ça dépend du pasteur. Alors, en tout cas, il faut nous dire à l'avance, ça sera quand l'émission nocturne, là, pour qu'on... En tout cas, on attend ça. Il y a du monde qui attend. Je crois que ça, ce n'est pas seulement moi, c'est moi.
et Pasteur Raoul, et Maman Tété, et Canal Orient. Donc, on va finir par donner la réponse. On voudrait ne fût-ce que démarrer avec ce qui concerne tout le monde. Je me rappelle même, je travaillais dans la ville de Colossie, un homme qui était marié, qui avait déjà autant d'enfants. Mais quand il a suivi cette émission, il est venu témoigner pour dire, « Papa, c'est la première fois que je me rends compte que je viens d'entrer dans le mariage. » Et c'est très important. Mais je vous informe que ça ne sera pas la pornographie. Hein. Vous risquez de déçu. Mais moi, j'aimerais quand même que vous puissiez aussi le fixer. Parce qu'il y a des gens qui suivent aujourd'hui, peut-être qu'ils ne vont pas suivre demain. Vous avez un rendez-vous le week-end, de samedi et de dimanche par rapport au couple. Est-ce que vous ne pouvez pas leur dire ça aussi? Oui, parce qu'il y a des sources de tension que nous aurons. Là, ça sera en live. Hein, ça sera ça sera en live. Oui. Et puis le micro va circuler. Hein. Ouais, vous pouvez déjà leur donner ces rendez-vous. Ça sera samedi et dimanche. Donc, c'est le 17 et 18 ans. Oui. À 16h, à l'aumônerie des jeunes, nous serons là avec tous les couples. Et ceux qui veulent, nous aurons aussi les veuves, les veufs, les divorcés. Et, les aspirants mariés. Oui, les vrais fiancés. Oui. Hein, c'est-à-dire, ça dépend de la société dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes reconnu dans la fille et chez la fille et chez le garçon? Et si la reconnaissance. Pas être reconnu seulement à l'université, non. Je veux. Mais comment vous le saurez si on s'est présenté là-bas? Donc, vous allez le chasser. La confiance. Bon. Mais c'est pas eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui peut venir avec la barbe blanche alors qu'il est célibataire. Je le saurai comment. Mais ne fût-ce que la bonne foi. Même un célibataire peut venir bénéficier, puis ça va l'aider dans son mariage. Non, vous savez combien risquons... de célibataires sont intéressés. C'est ce que la Bible déclare. Hein? Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne l'éveille. Vous savez que tous ceux qui ont des pantalons ne sont pas appelés à être des maris. Hein? Il y a des gens qui vont rester avec leur mère. En tout cas, venez, vous qui êtes mariés, aspirants et tout, on vous a donné le rendez-vous. Jusqu'à la fin de l'émission, on va revenir sur ce rendez-vous-là. Donc, ça sera à l'aumônerie en live. Vous allez poser des questions, pas par texto, mais directement au révérend Résuite, qui sera là et le micro va circuler. Tout le monde. Et nous allons avoir des prières intenses parce qu'il y a des sources de tension qui sont l'action démoniaque dans votre foyer. Voilà, vous avez donc le programme le samedi et le dimanche à 16h à l'aumônerie. Pasteur, hier nous avons commencé, nous avons parlé de l'égoïsme. C'est parmi les sources de tension. Vous qui nous suivez ou qui venez à peine de nous suivre, sachez qu'on a commencé hier, on a commencé à déballer, parce qu'avant c'était l'introduction, mais maintenant nous avons commencé, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons déjà répondu à vos questions, maintenant nous entrons dans le vif, dans la matière du jour. Hier c'était l'égoïsme et la gestion de priorité. La femme veut qu'on achète d'abord ça, le monsieur veut ça, voilà, on a parlé de ça hier. Ce que vous attaquerons, ça va venir prochainement, vous en aurez sur le support, hein. Il y en aura, vous aurez l'occasion de le voir. Mais aujourd'hui, pasteur, on commence par quoi aujourd'hui? Ce sera la troisième source que nous allons découvrir. Oui, avant de parler peut-être de la troisième source, j'aimerais d'entrée de jeu, ne fût-ce que intéresser les gens sur le mariage, ce que c'est, ne fût-ce que même pour 5 minutes, pour qu'ils comprennent quelles sont nos bases d'action. C'est ça que je vous ai dit. Moi, je vais revenir, hein. Tu m'as promis que tu allais me donner le temps pour ça. Oui, bon, justement, il n'y a pas de problème. Il y avait le passage que le pasteur Patrick nous lisait chaque fois. Oui. C'était dans Ésaïe 40, je crois. Oui, Ésaïe 40, c'est ça même la base du livre. 5. Alors, tous ceux qui ont suivi aujourd'hui, hein, tout ce qui se fait, parce qu'on peut se dire, non, voilà, mais c'est un pasteur, non. Nous avons déjà commencé. C'est la suite. Ce n'est pas une nouvelle émission qui commence. C'est la suite et nous sommes entrés de parler autour. Tout ce que nous disons, c'est autour d'Ésaïe 40, 3 à 5. C'était ça, pasteur. Oui. Voilà. La Bible déclare dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible dit ceci dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vous retiens pas, pardon, pasteur. Je vous retiens pas, mais permettez. La fois passée, on nous a reproché. Si ce que vous donnez comme verset peut aussi être affiché, je ne sais pas si c'est possible. Parce que l'autre fois, on nous a demandé aussi. Si ça peut apparaître quelque part, je ne sais pas. Je crois que ça. Même prochainement, on pourra. Même prochainement, on va le faire. Ça, c'est pour les techniciens, ça, c'est pas pour moi. Vous pouvez alors revenir sur ça. Parce qu'on nous a demandé aussi des passages bibliques. Ok. Oui. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Et 1 Corinthiens 6, 16, 10 parle de la gestion du couple, les droits de la femme et les droits de l'homme. 1 Corinthiens 6, 5. 1 Corinthiens 6, à partir de 16. 16, voilà. Vous descendez.
Non, écoutez, non, je me suis trompé. C'est Éphésiens 5, de 22 à 33. Éphésiens 5, de 22 à 33, on parle de la gestion. Mais 1 Corinthiens 6, 16 nous parle de celui qui s'attache à une prostituée, constitue une seule chair. Avec mais tout parle du mariage. Oui, oui, tout ça parle du mariage. Okay. Mais le thème lui-même, c'est dans Ésaïe 40, à partir de 3 à 5, la Bible déclare « Il faut que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient exaucées. » Que tout lieu tortueux soit aplani. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Et tout œil la verra. En d'autres termes, nous voulons dire à nos bien-aimés que quand vous vous mariez, c'est comme deux entreprises qui entrent en fusion. Il y a fusion de deux entreprises. Vous devez vous préparer à prendre l'actif et le passif de ces deux entreprises. Le mal, c'est quoi? Nous sommes dans une culture de consommation. Et nous voulons, dès que j'ai une femme, que je la consomme, dès que j'ai un mari, que je le consomme. Et quand j'essaie de faire... Dès qu'il y a l'état, dès que le passif commence à se manifester, dès que les mauvaises choses ou les faiblesses commencent à se manifester dans le chef de votre partenaire, ça commence à être un problème. Ça commence à être un problème, pourquoi? Parce que, en tout cas, je ne pensais pas que le mari était comme ça. Je ne pensais pas que la femme était comme ça. Non, Dieu nous a déjà précédés. C'est-à-dire que Dieu ne vous donne pas un... C'est comme quand nous venons des milieux où on produit le cuivre, on produit le cobalt, tout ça. Mais quand les camions passent avec la boue, vous n'allez rien voir. Il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de cuivre, tout ça. Même si vous allez en bougement, quand le camion, là où il y a le diamant passe, vous voyez, c'est le brut. Mais il y a des machines. On va travailler jusqu'à faire sortir le produit fini. La femme est aussi comme une matière première. L'homme est aussi comme une matière première. Le fait de rester ensemble et de commencer à travailler sur nos caractères pendant que nous sommes dans la société. Parce qu'il y a des choses que nous devons savoir améliorer. Chaque partenaire a la responsabilité d'améliorer son prochain. Vous comprenez? C'est pour cela que Dieu lui-même a posé la question Caïn et Abel, hein, il a posé la question à Caïn, où est ton frère? Caïn a dit, suis-je son gardien? Au fait, il a compris la question, il doit être son gardien. Parce que Dieu nous a créés pour veiller les uns sur les autres. C'est très important. Mais en cheminant, nous devons commencer à nous améliorer petit à petit. Il est toujours possible que nous nous marions pauvres et que Dieu commence à nous bénir. Mais il arrive que c'est l'homme qui a trouvé du travail. De temps en temps, il va en Europe, il revient, il va à Kinshasa, il revient. Il veut, quand il regarde le salon de la maison, il veut améliorer le salon. Quand il regarde la manière de manger, il veut améliorer sa manière de manger. Je me rappelle, il y a un frère qui venait nous visiter, il venait de Mbujima. Il avait des moyens, mais il n'avait jamais vu un modèle de déjeuner convenable pour lui. Il savait qu'on pouvait acheter... peut-être un sachet de lait, et puis on achète le pain au coin. Mais il s'est rendu compte qu'on pouvait avoir à table le jambon, on pouvait avoir la pâte d'arachide, on pouvait avoir les omelettes, tout ça, confiture, beurre, et beurre qui est différent de margarine. On pouvait avoir tout ça à table. Tu comprends un peu? Et que quand il a vu ça, il est allé appliquer aussi chez lui. Donc il avait l'argent. Il a commencé à appliquer ça chez lui. Mais la femme devenait de plus en plus villageoise. Il a commencé à aider sa femme. Il dit non, ça on met comme ça, ça on ne met pas comme ça. Tu vois, ça c'est le fromage. On ne le mange pas comme ça, comme si tu mangeais le pain. Ça on le met. Petit à petit, l'homme apprend. Celui qui cesse d'apprendre, il est mort. Il est mort. C'est-à-dire, nous continuons à apprendre. Et quand moi, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Le fait de voyager, quand je rentre chez moi, je dis aussi à mon épouse, quand elle aussi, elle voyage ou elle contacte certaines personnes, il y a des bonnes choses. Un couple normal doit savoir les copier. Quand vous arrivez chez vos frères ou vous arrivez quelque part, vous trouvez des bonnes choses. Soyez humble, copiez ces choses. C'est très important. Alors, c'est pour cela que nous sommes en train de dire à nos bien-aimés que vous avez le devoir de vous... Vous avez le devoir de vous protéger, vous avez le devoir de vous travailler mutuellement. Nous sommes comme dans une carrière. Tu as déjà été dans une carrière, là les gens transpirent. Hein, ils transpirent pour chercher la matière, ils entrent parfois en profondeur pour chercher la matière. Et puis, les dons de l'esprit doivent s'appliquer dans le foyer. Quand vous apprenez à votre
femme ou à votre mari certaines choses, on doit y mettre de la patience, on doit y mettre de l'amour. C'est ainsi que l'une des sources de tension dont nous allons parler la fois prochaine, c'est le langage. Vous savez, les mécaniciens ont leur langage. Hein? Donc, quand vous arrivez au milieu des techniciens de la télévision, ils vous parlent de conducteurs, ils vous parlent de... tout ça, incrustation. Donc, si tu es un mécanicien, tu ne peux pas comprendre incrustation, c'est quoi. Ils ont leur terme. Vous allez arriver au milieu des mécaniciens, vous allez trouver, non, amène 16. Et il peut dire, petit, il y en a 16. Donc, 16 là, il y a un langage, il comprend que 16 là, c'est une clé 16. Et tout. Mais il y en a, en a 12. Donc, c'est comme ça. Mais vous arrivez au milieu des juristes, c'est toujours non-assignation, ainsi de suite, tout ça. Ils ont leur langage. L'amour aussi a son langage. Il y a des gens qui travaillent dans le couple comme des mécaniciens. Donc, il appelle sa femme comme s'il appelait le petit stagiaire. Hé, hey, j'ai vu même en couche, quelqu'un qui appelle sa femme. Donc, quand la femme entend ce moment, il dit que non, le chef veut parler. Oui, amène un peu, amène ça. C'est le moment, là. Ouh. Mais est-ce qu'on peut s'appeler comme ça? Est-ce qu'on peut engager un tel langage dans le mariage? Le mariage a son langage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un contrat d'affaires, ce n'est pas un contrat juridique, ce n'est pas un contrat avec une chaîne de télévision, c'est un contrat d'amour. Or, le contrat d'amour a son langage. Même si on doit reprocher son partenaire, on doit le reprocher avec amour. Pourquoi? Parce que c'est un contrat d'amour. Et c'est très important, nous en parlerons suffisamment quand nous allons arriver à ce sujet. Et quand vous regardez toutes ces choses-là, il faut que l'homme et la femme comprennent que nous sommes en chantier, nous nous travaillons l'un et l'autre. Et nous devons avoir de la patience. C'est comme nous l'avons dit hier, vous épousez une femme, elle ne sait pas arranger le lit. Mais vous l'avez épousée, elle dormait sur une natte. C'est la première fois qu'elle voit un lit. Vous pensez qu'elle va l'arranger comment? Elle peut mettre même les oreillers au bas du lit, non? Elle peut mettre même les oreillers au milieu du lit. Non, j'ai vu comme c'était comme ça, j'ai dit non, je les mets au milieu. Mais on apprend. On apprend, il y a des filles qui sont venues des familles très pauvres. Donc, elle, tout ce qu'elle connaît, c'est griller. Donc, elle ne sait pas faire la sauce. Si c'est le poisson, elle grille, elle met là, elle met aussi l'huile là. Avec toutes vos épices, elle ne sait. Elle ne connaît rien des épices. Il faut lui apprendre, il faut prendre du temps. L'amener, par exemple, chez des gens qui savent faire, ils disent, non, maman, tété, est-ce que tu peux apprendre un peu à ma femme à faire le ngaï-ngaï? Parce que j'ai goûté un jour chez toi, le ngaï-ngaï, c'était très bon. Il faut être humble pour apprendre et on va apprendre à ta femme. Donc là, c'est déjà une source de tension. C'est déjà une source de tension quand vous n'êtes pas patient. Quand on apprend, c'est quoi? C'est quel type de source? Parce non. Que déjà... Le problème, ça, c'est une résolution. Ah, c'est une résolution. C'est une résolution. Ah. C'est-à-dire qu'être seulement humble, être patient pour attendre ton prochain jusqu'à ce que la personne apprenne comme il faut. Parce qu'il y a des choses aussi, elle aussi, elle attend que tu puisses échanger sur un point. Vous savez qu'il y a des gens qui ne changent pas. Non, ils doivent changer parce que... Pasteur, il y a des gens qui il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il y a des gens qui ne changent pas. Ils peuvent changer. Moi, je connais des cas où un mari était malheureux, en tout cas parce que la femme ne voulait pas changer. Non, la femme était en train d'engager des dépenses énormes, c'était tous les jours. Pourquoi on engage? Des réunions et des réunions, la femme n'a pas changé. Non, peut-être les moyens que vous avez utilisés ne sont pas. Vous savez, à un certain moment, vous avez la malaria. On attaque la malaria, elle est têtue. Il ne faut pas dire à la malaria, non, on la laisse comme ça. Non, on va la bombarder avec d'autres moyens. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour ça, non? Nous venons donner les moyens qu'il faut pour que les gens se comportent bien. Voilà pourquoi nous ne voulons pas bousiller tout notre temps. Nous voulons parler déjà des tensions, des sources de tension. La troisième source. La formation et l'information. Voilà. Tu sais quoi? Ça me fait même rire. Un jour, un couple, c'était à Likassi. Le mari, il suivait le match avec ses amis là, et puis le match est terminé, tout ça. La femme reste lui poser la question. Mais chérie, mais le papa là qui était en jaune là, lui pourquoi ne shootait pas le ballon? La femme lui dit, le mari lui dit, tu as fait bien de me poser la question pendant que tout le monde est déjà. Toi, ton âge, tu ne connais pas un arbitre. Non, mais si elle n'avait jamais vu la télé. Non. Aujourd'hui, on peut sembler voir que c'est nocif. Elle voyait la télé, mais elle ne savait pas que l'homme là, en jaune là, lui ne peut pas tirer ou en noir. Lui ne peut pas tirer, ne peut pas shooter. C'est un arbitre.
Le mari est resté avec sa femme et dit, et pour que tu ne poses pas cette question encore. L'arbitre, hein, c'est comme même dans un jugement, tout ça, il est en train d'arbitrer, lui ne shoot pas, hein, lui c'est comme un ça. Médiateur. C'était un médiateur. Lui il explique. Mais chérie, tu as bien fait. Si tu m'avais posé cette question pendant qu'il y avait des amis là, non, là ça devait être une source de tension. Tu comprends? C'est pour vous dire que quand on n'est pas informé, on a un problème. Nous avons le devoir. Mais il faut comprendre aussi. Vous voyez qu'avec lui, c'était bien parce qu'il a compris que sa femme ne connaissait pas. Il y a ce monsieur, quand il pose une question, il dit « Ah, non, moi, je ne connais pas. » Depuis qu'on n'en a pas envoyé, peut-être que ça viendra, ça viendra. Oui, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Mais ici, c'est d'abord la formation. Vous vous mariez, vous êtes licencié, vous regardez une fille, elle est métisse, à la Kitoko. Mais elle ne sait pas écrire son nom. Vous avez aimé ses joues, vous avez aimé ses fossettes, vous avez aimé sa démarche, mais elle ne sait même pas écrire son nom. Ou soit, elle a étudié peut-être en brousse ici, bon, c'est dans les genres des écoles où on ne respecte pas les règles syntaxiques de la grammaire. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci le précède. Maintenant, quand elle parle français, vous avez l'impression qu'elle tue quelqu'un. Vous avez étudié où? Moi? J'ai étudié à Kambov, à Lubumbashi, à Likasi, tout ça. Pourquoi? Non, c'est juste une question qui passe. Okay. J'ai étudié dans une bonne école. Ah. Ne t'en fais pas. Tu vois, si vous réussissez, vous n'avez pas échoué dans votre parcours scolaire? Non, il y a eu. On en parlait là. Vous avez aussi échoué. C'est vous possible. Aviez eu aussi zéro. Mais ça arrive. Tu sais qu'il y a des zéros même qu'on peut avoir pour rien dire. Vous tous qui faites du bruit là, vous avez zéro. Ah, mais ça ne dépend pas de votre connaissance. Non, c'est juste une parenthèse. C'est on avance. On y va, pasteur. La formation, on est là. Okay. Est dans la formation. Le niveau d'études. Peut-être le mari a un faux diplôme, mais quand vous êtes dans le foyer, vous vous rendez compte que quand il faut réfléchir, ça ne réfléchit pas comme il faut. Hein. Ça ne réfléchit pas comme ça. Alors, les hommes ont parfois un complexe de supériorité. Quand la femme commence à réfléchir, c'est ainsi que tu vas retrouver au milieu des hommes pour dire, les femmes qui connaissent trop les Français, là, il ne faut pas les épouser parce qu'elles viendront vous donner le fil à retordre. Non. C'est comme quelque chose qui m'a fait rire pour les mécaniciens dans une maison. Ils étaient des chauffeurs et mécaniciens. Un papa avait son camion, il les a envoyés en brousse. Alors, il y a eu un temps là, ils ont eu des problèmes pour revenir. Alors, il leur a posé la question au téléphone, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, on a eu des prises d'air. Alors, la femme qui dit, ah, ma prise d'air n'a pas encore. Ils achètent même 4 comme ça, ils vont commencer à voyager avec ça. Non, les prises d'air ne sont pas des pièces. Il dit, et le mari dit, non, prochainement, quand vous revenez ici, avant de partir, soyez sûr que vous avez les 5 prises d'air, comme ça vous ne savez pas dormir en brousse. Donc ça, tu vois, ça pose toujours des problèmes. Oui, quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, ça pose toujours des problèmes. C'est la même chose, quand vous n'êtes pas informé sur une chose, vous risquez de penser que... Un jour chez moi, j'étais avec quelques sœurs chez moi, j'ai dit, est-ce que vous connaissez le gouverneur du Katanga Segui? Une sœur, jolie, bien aimant Dieu, ayant le Saint-Esprit parlant en langue, elle me dit Kagame. Bon, tu vois un peu le niveau de compréhension. Tu vois un peu le niveau de compréhension. Vous vous intéressez à la politique. Vous êtes un homme d'information. Et vous avez une femme avec laquelle vous devez partager toute votre vie, qui ne connaît même pas le gouverneur de la province. Et qui ne sait même pas comment on accède au gouvernorat, comment on peut devenir député. Elle ne connaît pas tout ça. Ouais, elle est toujours sur Novelas. Et aujourd'hui, c'est Novelas. Hier, elle était sur les films nigériens. Vous savez, il y a des femmes qui ne connaissent pas parler, qui ne savent pas parler français, mais qui peuvent vous expliquer tout le film en anglais. Elle dit, le papa ici va tuer cette maman. Tel que je vois là. Maintenant, là, il n'est pas content. Mais c'est en anglais. Donc, le problème qui est là, c'est que même sa manière de réfléchir, vous pouvez avoir des problèmes. L'homme réfléchit plus haut, la femme réfléchit très bas. La femme réfléchit plus haut, l'homme réfléchit très bas. Ça peut poser des problèmes. C'est une source de tension. L'information aussi qu'on a, vous comprenez? L'information aussi qu'on a. Vous avez quelle information? Comment on gère le couple? Vous comprenez? Il y a des gens qui vont vous dire, non, quand le mari vient, hein, comme une maman qui te dit, moi quand mon mari, quand il vient, il aime la nourriture chaude. Est-ce que le tien aussi aime la nourriture chaude pour que quand tu le vois comme ça, tu commences à faire la nourriture? Peut-être le tien est chaude et froide, c'est la même chose. Alors tu risques d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que tu as pris une information qui n'est pas bonne.
sur l'homme et sur la femme. Comment on gère la femme? Comment on gère l'homme? Quand vous n'êtes pas informé suffisamment, même sur le cadre, vous risquez de poser des actes qui ne sont pas bons et qui peuvent être une source de tension. Mais ici, nous serons plus dans l'information sur le niveau de vie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont fait peut-être, ils n'ont que fait 6 ans, ils n'ont fait seulement 6 ans. Mais qui, quand vous parlez avec eux, ce sont les gens instruits. Mais il y a des licenciés que, parce qu'ils étaient seulement les neveux du recteur ou les neveux d'un doyen, et il devient licencié. Mais quand vous le testez là, le diplômé là est plus intelligent que le licencié. Oui. Et c'est très important. Or, comme il y a fusion de deux personnes, ils doivent vivre ensemble, régulièrement partager ensemble et même avoir des débats ensemble. Quand la femme parle ou l'homme parle, la femme regarde les mains. Mon mari, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Alors quand l'homme entend, tu ne comprends. Moi, je ne comprends rien. C'est parce que je te donne même l'argent, c'est parce que je t'ai même ici que tu penses que je ne comprends. D'ailleurs, on va voir à partir d'aujourd'hui comment. C'est parce que je te montre même les dents. Non, le problème, c'est qu'il ne veut pas accepter qu'il ne connaît pas. Mais c'est ce que je voulais dire. Vous savez que très souvent, les femmes acceptent. Hein? Les femmes acceptent facilement. Je vais te donner l'occasion. Mais les hommes, comme ils acceptent. Ne sois pas avocate des femmes. Je vais te donner le temps. Oui, prends aussi l'occasion d'être avocat aussi des hommes. On continue, oui, bien sûr. Donc, vous comprenez, l'information, la formation peut être une source de tension. Je crois que c'est quand même un peu plus clair. Les gens peuvent se rendre compte. Mais comment on va résoudre cela? Quand vous avez votre femme qui n'a pas étudié, vous avez la responsabilité de la relever. Il faut que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient exaucées. C'est votre responsabilité. Il ne faut pas dire, comment on m'a donné une femme qui ne sait même pas signer? Tu as la responsabilité de le faire signer. Tu as la responsabilité de l'instruire. Tu as la responsabilité de l'amener dans certains endroits pour qu'elle sache manger avec les couverts. Dis, papa, tu te rends compte? On est arrivé à l'hôtel, au restaurant là. Elle a pris le couteau comme un javelot. Mais mon frère, elle vient du village. Là, on mange avec les mains. Maintenant, toi, tu lui dis, on mange avec les couverts. Qu'est-ce que tu crois? Apprends-lui que ça, on tient comme ça. On fait comme ça. Petit à petit, sois patient. Il est même possible qu'elle commence à manger plus vite que toi quand elle va apprendre. C'est très important. C'est-à-dire que de tous côtés, que nous ayons la responsabilité d'apprendre notre prochain. Mais il y a des femmes qui sont intellectuelles, qui connaissent beaucoup de choses dans le monde, sur le plan de société. Mais il a épousé un homme parce que l'homme a l'argent. Et l'homme, comme il a l'argent, mais il ne connaît pas beaucoup de choses. Et il est si irresponsable au point que la femme commence à dire non, il y a ça. Et ça sera une source de tension. C'est pour cela que la femme a la responsabilité d'aider son mari. C'est un commerçant. Il peut apprendre l'anglais, il peut connaître certains milieux. Vous savez, vous allez voir certaines personnes, même ayant beaucoup d'argent, il suffit qu'on les invite dans certains endroits et dire ah, moi je n'irai pas là-bas. Pourquoi? Il est complexé. Vous comprenez? Parce qu'il va trouver des gens, et à un certain moment, quand on termine la réunion, on prend le verre et on discute. Lui n'a aucun argument. Tout ce qu'il connaît, même malgré son niveau, c'est toujours non. Mais s'il a marqué 2 buts, cette année, je crois qu'il va marquer beaucoup de buts. Non, ce n'est pas ça. Disque d'or. Disque d'or, je crois. Pasteur, est-ce que je peux... Je peux aller à l'autre source de tension. Avant d'aller, pasteur. Non, tu vas revenir sur tout ça. Je termine seulement les sources de tension. Ah, vous donnez les sources de tension. Oui, oui. Là, ça je donne les sources de tension, je les explique. Ça concerne et tu vas garder ta question. Maintenant, c'est moi qui dirige le débat. Non, on ne va pas les téléspectateurs. Moi, je vais poser avant les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a aussi une durée déterminée pour ça? Parce non. qu'on va former, on va informer. Non. C'est à vie ou... Non, ici, ce n'est pas... Ici, c'est comme le préceptorat. Tu connais le préceptorat? Oui. Quand vous donnez cours à l'enfant, donc, pour qu'on continue votre contrat, il faut qu'il réussisse. S'il ne réussit pas, il ne comprend pas. Donc là, on arrête. Mais quand vous êtes à l'école, vous donnez cours. C'est lui qui comprend, il comprend. C'est lui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. Hein, c'est comme même au milieu de... Quand Jésus a enseigné, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Église. C'est lui qui n'avait pas d'oreilles. C'est son problème. Quatrième Donc, source. Nous avons une autre source. Quatrième source, ouais. Le passé, le CV ou l'histoire de quelqu'un. CV? Nous, oui. Quand je parle de... Quand je parle de mariage, je parle de votre passé. Oui, votre CV dans le mariage. Ouais. Non, avant que vous ne puissiez vous marier, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez fait? CV, on demande... Non, quand je dis CV, oui. C'est un terme, je veux juste... C'est juste un terme. Ce n'est pas CV. J'ai fait l'école primaire à Saint-Boniface, j'ai fait l'école secondaire. Non, non, c'est votre passé. Votre passé peut vous rattraper. C'est-à-dire que vous vous mariez, et quand vous êtes dans le mariage... Quelqu'un arrive et dit, c'est toi qui as épousé cette femme. Mais tu l'as trouvée où? Mais non, même si vous ne le mettez pas au monde, cette femme a avorté quand on était sur le campus.
Ah, c'est terrible. Et le mari qui dit, ah bon, tu ne m'as jamais dit, est-ce que je devais te dire? Hein? N'est-ce pas quand on vend les véhicules ici usagés, il y a dans le contrat, l'acheteur accepte le véhicule dans l'état où il est. Toi aussi, tu m'as accepté dans l'état où je suis. Hein? Si vous ne gérez pas bien cette information, c'est une source de tension. Chaque fois qu'il y aura un problème, ça me rappelle, c'est une église branamiste à Lubumbashi. Ils avaient l'habitude, quand les gens, deux personnes veulent se marier, ils se font la cure d'âme, l'un à l'autre. Le mari a expliqué que moi ici, je n'ai jamais tué même une mouche. Quand tu me vois là, je suis comme ça, je n'ai jamais connu de femme, tout ça, tout ça. La femme a dit non, comme c'est le mariage, j'ai déjà approché. J'ai dit, moi ici que tu vois, j'ai combattu beaucoup de guerres. Moba 1, Moba 2. C'est-à-dire en termes clairs, pasteur, en termes clairs. Et là, j'ai eu une vie désordonnée des hommes. Donc, quand tu me vois là, mais le Seigneur m'a aidé, je me suis converti. Le mari, comme il était dans cette ambiance d'amour, il dit non, il n'y a pas de problème. Ils se sont mariés. Première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. Troisième année, l'homme se met debout. Il dit à sa mère, maman, il y a des choses que je ne vous disais pas. Si moi, je suis en train de souffrir ici, demain, vous allez apprendre que je suis mort, il faut que vous sachiez pourquoi je meurs. Moi, je n'avais rien fait. Cette femme ici m'a expliqué qu'elle a fait des choses. C'est pour cela. La maman dit, hey, mon enfant. Et ça devient un problème. Mais s'il n'avait pas fait cette cure d'âme, ça aurait sauvé d'une certaine manière. Et le Seigneur a permis. Heureusement pour eux, l'année qui suivait, la femme est tombée enceinte. Mais ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont failli se séparer. Pourquoi? Parce que à cause du passé de la femme qui a eu à entraver le présent. Il en est de même de l'homme. Vous savez, il y a des hommes ou des femmes qui ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que ce sont des expérimentés. Ils ont été en compétition sexuelle partout. Ce qui fait que quand il prend sa femme ou quand il prend son mari, il est en train de le comparer à X. C'est pour cela que je voudrais répondre à celui qui a posé la question. Dit, quand vous avez une femme qui est vierge, donc elle n'a pas une autre référence. Mais c'est lui qui a eu beaucoup de compétitions, a des expériences. Donc quand vous êtes, elle est exposée à sortir de main dehors. Pourquoi? Parce que quand il regarde, il dit, ah, ça c'est encore des matchs de division 2. Moi je suis allé même en Champions League. Et ça va poser des problèmes. Pourquoi? Parce que régulièrement, elle estime qu'elle n'est pas satisfaite. Et à cause de son passé. Donc le passé vient le rattraper. Et ça c'est très dangereux pour un foyer. Quelqu'un peut avoir fait un enfant. Le mari peut avoir déjà fait un enfant, mais il ne dit pas à sa femme. La femme peut avoir déjà fait un enfant, ne dit pas à son mari. La femme peut, peut-être il y a des trompes qu'on a déjà enlevées, mais elle vient dans son mari. Oh, liba, dans son mariage. Oh, liba, la liba. Et outakina, zambé. Oh, liba. Et c'est qu'on a dit, colo. Ils entrent dans le mariage. Mais ne dit pas à l'autre ici. Dans mon ventre, il n'y a rien. À part l'estomac. Et les poumons. Tout ce qui concerne la femme, on a déjà enlevé. Le mari investit, il n'y a pas de bénéfice. Il se dit non, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est après qu'il se rend compte que la femme n'a pas de trompe. Et ça, c'est très dangereux. Ça peut vous rejoindre et détruire même la communion parce que tu m'as menti. Pourquoi? Ton passé. Tu comprends? Donc il y a des hommes aussi, tellement qu'il a côtoyé beaucoup de gens, ce qui fait qu'il garde des mauvaises relations. Dans des coins différents, ce qui fait que ça peut entraver même son mari. Vous savez, il y a des gens, peut-être vous êtes sortis avec certaines personnes et qui continuent à appeler à la maison. Vous êtes déjà marié. Oh, vous voyez comment il dit ça, ma chérie, ben, t'étais ma chérie. Et l'homme qui entend, ma chérie, encore c'est qui? Oh non, c'est un garçon avec qui on était sur le campus. Non, est-ce que, oh, on a étudié avec lui à Saint-Boniface? Ça doit s'arrêter. L'homme quittera son père et sa mère. Il y a des relations mauvaises qui doivent s'arrêter. Un point, on ne met pas point virgule, c'est point. C'est tout. Ça, c'est sur le plan. Pasteur, de... avant que vous puissiez traverser sur l'autre plan, que je pose mes questions, parce qu'après là, ça sera plus moi, ce sera les auditeurs et les spectateurs. Mais moi, je vais te proposer une chose. Est-ce que tu ne peux pas me permettre de terminer les quatre questions de tension? Voilà, comme ça, toi, tu poses les questions. Je ne fais que répondre et je ne veux plus en parler. Aujourd'hui, apparemment, c'est vous qui prenez ma place. Bon, il n'y a pas de problème, on peut s'échanger tout à l'heure. Allez-y, je vous en conseille, je pense que vous avez beaucoup étudié. Comment vous voulez échouer devant les téléspectateurs? Manque de confiance. Voilà, manque de confiance. Cinquième source. Pour ceux qui écrivent, cinquième source de tension, manque de confiance. La confiance, manque de confiance. La confiance n'est pas la foi.
Il y a des gens qui disent, ma femme ne me fait pas confiance, mon mari ne me fait pas confiance. Ce n'est pas la foi. La foi, quand on croit en Christ, il n'y a pas une machine pour déterminer si vous avez déjà cru ou pas. Mais la confiance, vous devez la mériter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, on ne me fait pas confiance, on va te faire confiance. Comment? Hier, tu as dit que non, je ne sors avec personne. Mais je viens de voir dans ton appareil qu'il y a des messages bizarres. Oh, tu me manques. Oh, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Comment toi, la vie n'a pas de sens? Où? C'est au travail, c'est où? Non, toi, tu dois me faire confiance. Non, la confiance se mérite par les actes que tu vas poser. Même Jean-Baptiste a dit, Jésus a dit, produisez des fruits dignes de repentance que vous avez déjà changé. La femme peut vous faire confiance, mais la confiance qu'elle va vous faire, elle vous met, je peux dire, sous examen pour voir si vous allez mériter. Le mari veut vous faire confiance, mais il vous met sous examen. Ok, moi, comme une femme à Lubumbashi, le mari dit, tu es où parce que j'ai... Alors, comme le mari était au travail, la femme dit, non, je suis à la maison. Elle commence à courir pour arriver à la maison. Elle était à la prière, elle court, elle arrive à la maison, elle trouve son mari assis au salon, dit, comment je vais te faire confiance? Tu dis que tu pries, mais tu me dis que tu es à la maison. Maintenant, je suis à la maison, tu viens d'où? Et puis, tu vas me dire, oh, papa, toi, tu ne pries pas beaucoup, c'est pour ça que nous avons des combats. C'est toi qui amènes les combats. Comment je vais te faire confiance quand tu vas me dire, je suis en dehors de la ville, tu me dis, je suis à la maison, je vais accepter. Je ne peux pas. Oh, la confiance, ça s'investit. Quand vous investissez dans les actes que vous posez, c'est alors qu'elle elle nourrit la personne. C'est très important. Et quand il y a méfiance entre deux partenaires, ça pose des problèmes. Même quand tu me présenteras, dis non, c'est un garçon avec qui on travaille, c'est notre secrétaire, je vais dire, je n'y crois pas. C'est comme l'autre qui avait écrit son excellence dans son appareil, alors que c'est une fille qui est sur le campus. Il y en a plein, plein. Son excellence. Comment je vais te faire confiance parce que dans ton répertoire, toi tu es député, il n'y a que des excellences et des... Non, ce n'est pas normal. Des généraux. À Lubumbashi, quelqu'un avait écrit général. Il dit, tu vois comment les gens sont malins. Il fait comme ça, hein. Avant de répondre, il dit, oui mon général, et puis il a pris. Maintenant, ce jour-là, la femme a pris le téléphone et dit, il faut que je m'excuse chez le général. Elle prend le téléphone et dit, général, elle entend une jeune fille générale. Est-ce que dans cette ville, il y a une femme qui est générale? Vous voyez des problèmes comme ça. Et la femme va dire, non, il faut qu'on revoie maintenant tout le répertoire. Vous avez aussi fait ça une fois? Moi? Oui? Non, je me suis marié chrétien. Vous savez quand même les techniques qu'on est. Ne t'en fais pas, je suis un homme de terrain. Okay. J'ai fait des recherches et ça fait des années que les gens viennent se confier à moi, tout ça. Je connais tout ça. Okay, voilà. Un gynécologue n'est pas obligé d'être tombé enceinte pour travailler. Donc, voyez un peu les choses comme ça. Et quand vous posez de tels actes, la femme travaille, le mari travaille pour protéger son foyer. Mais quand il voit des éléments comme ça, il ne vous fait pas confiance. Or, ne pas vous faire confiance quand vous dites, non, on est en train d'aller vers l'Itouri. Il dit, je ne sais pas si vous allez réellement sur l'Itouri. Non, comment tu ne me fais pas confiance? Moi, je ne sais pas comment on va partager avec une femme comme ça. Non, les éléments qui sont sur le terrain ne montrent pas que tu es digne de confiance. Or, quand on vous manque de confiance, c'est difficile que nous ayons à partager une même vision. Pourquoi? Parce que nous risquons, on peut se dire, on construit. La femme commence à dire, voyons d'abord les papiers, parce que je risque de construire pour une autre fille. Hein. On voit d'abord les papiers, dit, je savais, tu as déjà mis dans au nom de ta petite soeur. Vraiment, moi, je vais commencer à aller surveiller un chantier de ta petite soeur. Tu te moques de qui? Je savais qu'avec toi, rien ne marche. Si tu savais que c'est avec moi, rien ne marche, pourquoi tu restes ici? Je n'ai pas confiance, je suis en train de travailler pour que la confiance revienne. Or, tu n'es pas digne de confiance. Et ça, c'est une source de tension. Nous conseillons les gens à poser des actes dignes de confiance. Par exemple, sur les téléphones, il y a la gestion du téléphone, ça viendra. Mais sur la confiance, pourquoi quand le téléphone sonne, ne touche pas, c'est le chef. Non. Quand la femme prend, tu as touché, pourquoi? Quand la femme, moi je n'ai pas de code dans mon appareil. Mon épouse peut entrer, elle entre. Moi j'entre dans son téléphone, quelqu'un peut appeler, je dis non, tu as beaucoup appelé. Oui, elle est dans la salle de bain, tu peux appeler même dans 5 minutes. Et papa, c'est vous? Ah, ok. Et puis même quand elle sort là, elle parle avec la personne, elle dit, tu connais le garçon qui est... ils étaient notre voisin là. Ah, je connais, parce qu'il était déjà venu ici. Ça passe. Mais quand il y a des zones d'ombre, même le téléphone ici devient un problème. Vous allez voir des codes, comme si c'est vous qui avez le code de l'arme nucléaire. Donc la femme ne peut pas accéder, l'homme ne peut pas accéder. C'est un problème.
Maintenant, tu peux être calme parce qu'il me reste une source de tension. Tu peux poser des questions. Non, il n'y a pas de problème. Les bagarres et les injures, c'est un... C'est la sixième source. Ouais, c'est un contrat d'amour. Pourquoi dans un contrat d'amour, le langage n'est pas bon? C'est toujours des injures. C'est toujours vous vilipender. Ici, vilipender, c'est quoi? On a Moussonsou, là. C'est en soirée ou Moussonsou. Donc, vous les réduisez. Vous minimisez un peu. Ça dit que vous humiliez votre femme. Vous l'injuriez. Hein? Donc, tous les noms des animaux féroces, là, sont associés à son nom. Dès que vous arrivez comme ça, cet imbécile est où? Comme j'ai appris quelque part, j'étais dans une maison, le mari arrive, la femme dit, il dit à sa fille, moi que le pouille à Malaki. Donc, c'est-à-dire, donnez à ce singe-là les haricots. Est-ce que vous pouvez appeler votre mari singe? Est-ce que le singe peut même se convertir? Je comprends pourquoi votre mari ne se convertit pas. Donc, le problème, c'est quoi? Les mots qu'on utilise. Vous savez, il y a des garçons qui sont venus des familles très désordonnées, mal éduquées. Il faut qu'on lui apprenne que ces termes ne se passent pas ici. Tu ne dois pas commencer à injurer. C'est ta propre chair. C'est toi. C'est un autre toi. Tu ne peux pas l'injurier continuellement, associer son nom à tous les animaux du zoo. Ce n'est pas normal. Et puis, est-ce que vous trouvez un homme normal? Vous trouvez que vous pouvez vous réveiller le matin, vous commencez à vous donner des coups? J'ai vu même un pasteur développer une théorie. J'ai dit, mais ce pasteur doit être maudit. Il dit, tu regardes dans la Bible, Dieu met toujours les femmes et les enfants ensemble. Oh, il y avait 1000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait 200 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi quand la Bible dit, pour les enfants, nous devons taper, on ne doit pas taper les femmes? Donc, ils sont toujours associés, et les enfants et les femmes, nous allons les taper. Ce n'est pas normal. Vous pensez que c'est seulement en tapant, en giflant, en vous bagarrant, que vous allez être sur une bonne voie. Il y en a même qui disent « Bitumba ezali mungwalibal ». C'est faux. C'est de la sorcellerie, ça. Ne vous battez pas. Soyez des hommes faits, soyez des femmes faites, de manière à trouver une solution à l'amiable. Parce que vous ne savez pas demain ce qui va se passer. En vous bagarrant, finalement, parce que tous les jours, vous gagnez par points. Un autre jour, vous allez gagner par chaos. On amène la femme à l'hôpital et elle est déjà morte. Donc, évitez de vous battre. Il y a des femmes, moi je connais un couple, la femme était barbare, l'homme était calme. Il dit non. Et elle se disait avec ses amis, si ton mari ne frappe pas parce qu'il ne t'aime pas. Alors il est venu provoquer le mari, oh, tu es comme une femme, elle donne même un coup à son mari. Le mari dit, mais c'est quoi? Et le mari, quand le mari l'a tapé, elle a dit à ses amis, il m'a tapé aujourd'hui. Elle était contente qu'on l'ait tapé. Ça, c'est de la barbarie. Ça, c'est un comportement du zoo. Vous ne pouvez pas... Ça, c'est un comportement de la jungle. Vous ne pouvez pas amener ça dans un foyer. On ne se bat pas dans le foyer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de ensorceler les enfants. Le premier couple que les enfants ont à l'image, c'est leurs parents. Quand vous vous battez, sachez que vos enfants se battront un jour quand ils seront dans le foyer. Parce que ça sera enregistré dans leur subconscient. Et dès qu'une femme pose un problème, il tape. Dès qu'un homme pose un problème, saute dessus. Et je ne pense pas que le foyer, les couples doivent être associés. Les couples sont aux affaires sociales, ne doivent pas être associés au sport et au département du catch et de la boxe dans la République. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pasteur, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons reçu 4 sources de tension. Donc, ouais. On avait commencé par l'égoïsme et la gestion des priorités hier. Aujourd'hui, il y a la formation et l'information. Le passé, hein, le passé, l'histoire du passé, de la vie du futur partenaire, la confiance ou méfiance, la confiance, et puis nous avons fini par la bagarre et les injures. Voilà, pasteur. Moi, je pose juste une petite question, et entre-temps,